for all of us. Salut tout le monde, c'est Playmo. On va dans cette vidéo, un peu comme pour le saignement, la force, la foi et la magie, faire un point sur les meilleures combinaisons d'armes et de centres de guerre pour un build dextérité et voir que certaines, surtout depuis le patch 1.07, font vraiment grave le café. On va ici tester principalement des armes dans lesquelles il va falloir investir majoritairement des points dans la dex. Parfois il y aura quelques entorses car certaines d'entre elles ont besoin de builds un peu hybrides et on va également utiliser dans certains cas l'affinité foudre car les centres de guerre qui font des dégâts de foudre vont voir leur puissance augmenter avec le niveau de votre arme mais aussi avec votre score en dextérité. Bref, il y a des possibilités assez cool, peut-être moins nombreuses qu'avec certains builds et j'ajusterai mes statistiques en fonction. Allez, on est parti. Allez, pour ce premier build dextérité, on va commencer relativement en douceur. On va utiliser en ambidextrie deux épées seigneuriales. Dessus, on va venir mettre la lame tempête en affinité foudre parce que dans tout Elden Ring, il n'y a que 3 cendres de guerre vraiment de type foudre. Donc voilà, on est vraiment très vite limité pour cette affinité. J'aime bien cette cendre de guerre. Hein. Ils ont corrigé par contre un bug où vous pouviez appliquer une incantation sur votre arme en main droite et balancer, on va dire, l'effet de statut de cette incantation via la lame tempête, donc ça ce n'est plus possible. Mais par contre ça reste une très bonne cendre de guerre et depuis le dernier patch, le 1.07, ils ont augmenté sa vitesse d'animation et sa portée. Et en plus de ça, vous allez faire plus de dégâts si jamais vous lancez cette cendre de guerre sur un ennemi en étant au corps à corps, parce qu'il y aura donc le cumul de la cendre et des dégâts faits avec votre arme. Les épées seigneuriales, c'est parmi les meilleures épées droites de Elden Ring, hein. Vous les passez donc en affinité foudre, vous aurez de meilleurs dégâts, quasiment 100 points de plus que si vous les passez en acéré. Pour les stats, on est sur celle que j'ai montré en début de vidéo. On va donc maximiser la dextérité, on va aussi utiliser un sceau sacré pour se caster flamme renforce-moi pour un petit boost de dégâts. Pour les talismans, on va utiliser le fragment d'Alexander qui va donc booster les dégâts de la lame tempête. On va aussi utiliser le talisman du scorpion de foudre pour booster nos attaques de foudre. Le talisman d'épée rituelle pour booster de 10% tous nos dégâts quand on sera full life. Et pour finir, l'emblème de Caria à filigrane pour réduire la quantité de PC consommée par notre centre de guerre, hein, donc déjà qu'elle coûte pas très cher à lancer, là ça sera vraiment ridicule, donc on va pouvoir la spammer vraiment très longtemps. Et dans la fiole de salut miraculeux, on va mettre l'alarme qui booste les attaques de foudre, hein, donc l'alarme fissurée voilée de foudre, et l'alarme de cristal noueuse de dextérité qui booste un petit peu la dextérité. En se buffant avec tout ça, on peut franchement faire de bons dégâts avec la lame tempête, surtout que ça se caste très très vite. C'est clairement pas le build le plus impressionnant, ça c'est clair, par contre, l'ambidextrie de deux épées droites, ça va très vite, hein, et ça fait quand même de bons dégâts, hein, il y a un bon DPS. Certains ennemis sont complètement faibles à la foudre, hein, et notamment les vierges de fer. Par contre, si vous rencontrez des ennemis ou des boss qui sont un petit peu résistants, bah, passez-les en acéré, hein. Ça marchera aussi très bien, et en plus de ça, vous pourrez les buffer avec autre chose, avec du saignement, du feu, de la congélation, etc. Voilà donc un petit build pour commencer bien sympathique, hein. C'était vraiment juste pour s'échauffer. Bon allez, on va passer à des trucs un peu plus costauds. On va utiliser cette fois-ci l'éclair de Grand Saxe, une des meilleures armes pour un build dextérité qu'il faut absolument récupérer à la capitale avant de faire le boss de fin de zone de Faramazula. Sa cendre de guerre qui s'appelle la lance du dragon ancien est parmi les cendres de guerre les plus puissantes. Elle se charge en plus de ça. Comme c'est une lance, on va en plus de ça pouvoir utiliser un bouclier pour poke tout en gardant. Donc ça, ça peut être très pratique. Pour les stats, on est toujours sur celle du début de vidéo. En plus de ça, donc la cendre de guerre de cet éclair de Grand Saxe fait donc exclusivement des dégâts de foudre. Ces dégâts vont donc augmenter avec le niveau de votre arme et votre score en dextérité. Pour évidemment lancer cette cendre de guerre sans passer à deux mains, bah vous mettez un bouclier qui n'a pas de cendre de guerre. Pour les talismans, on va garder le fragment d'Alexander, le talisman de scorpion de foudre. On va aussi garder le talisman d'épée rituelle, mais on va surtout mettre l'icône de Godfrey. Parce que si vous chargez complètement la cendre de guerre, vous allez pouvoir faire tomber à la renverse la plupart de vos ennemis. Pour ce qui est de la fiole de salut miraculeux, on reste comme sur celle précédemment utilisée, donc l'arme fissurée voilée de foudre et l'arme cristal noueuse de dextérité. On va donc se buffer avec tout ce qu'on a et avec flamme renforce-moi, et vous allez voir que le premier coup chargé avec la cendre de guerre
de cet éclair de Grand Saxe va prendre l'ennemi par surprise et faire plus de 3000 points de dégâts, donc c'est assez ouf. Et si j'avais eu mon arme plus 10, ici elle n'est que plus 9, je l'aurais tué en 2 cendres de guerre. Et donc comme vous avez également un bouclier, vous pouvez profiter de la riposte pour finir cet ennemi. Donc vraiment c'est un très bon build dextérité, la lance est super fun à utiliser et en plus de ça vous pouvez la récupérer relativement tôt dans l'aventure, dès que vous arrivez à la capitale. Moi en tout cas perso c'est une arme que j'aime beaucoup. Une arme parfaite pour faire un build dextérité, c'est le Croc du Limier, récupérable vraiment ultra tôt dans votre aventure en affrontant Dariwil dans la geôle du Limier. C'est vraiment parmi les meilleures armes du jeu, notamment grâce à sa cendre de guerre, qui vous permet d'attaquer et de tout de suite esquiver et de derrière réattaquer pour briser très rapidement la posture de vos ennemis. Cette cendre de guerre coûte vraiment rien du tout en termes de PC, en plus de ça le Croc du Limier a vraiment de très bon scaling, B sur la dex et C sur la force, c'est pour ça qu'on va adapter ici nos statistiques pour booster un petit peu la force et réduire un petit peu la dex, donc on est à 40 et 60. Ça fait qu'à deux mains on peut dépasser les 800 points de dégâts d'attaque, donc c'est vraiment très bon. Ce qui est très cool en plus de ça avec le Croc du Limier, c'est que vous pouvez totalement le buffer avec une graisse de votre choix ou une incantation de votre choix. Ici aussi on peut très bien utiliser un bouclier sans cendre de guerre. Pour ce qui est des talismans, fragment d'Alexander, emblème de Caria, filigrane, je trouve que c'est pas mal parce que ça va réduire la quantité de PC consommés par la cendre de guerre, car ici on a mis que 15 en esprit parce qu'on n'a pas besoin vraiment beaucoup, mais on peut remédier à ça aussi en mettant le médaillon d'ambre céruléen plus 1, mais on a aussi le talisman des pérituels. Moi ici je vais utiliser une graisse de feu et vous allez voir que je vais donc adapter ma fiole de salut miraculeux en mettant l'alarme fissurée voilée de flammes et aussi l'alarme de cristal nose de dextérité. Si jamais vous mettez une graisse avec de la magie, adaptez votre fiole et mettez l'alarme fissurée voilée de magie. Ou de foudre si vous décidez d'utiliser de la foudre, voilà, c'est vous qui voyez. Parce qu'ici, en se buffant avec flamme renforce-moi, on aura un buff supplémentaire vu qu'on utilise du feu, en plus du buff, on va dire, corporel. Le premier coup qu'on va faire avec la cendre de guerre va faire plus de 2000 points et le suivant 2300 points, donc c'est vraiment très fort. En plus, avec l'esquive de la cendre de guerre, il y a moyen d'échapper à pas mal d'attaques, même sur certains boss. Donc vraiment le Croc du Limier, vous le chopez tout au début du jeu et vous avez une excellente arme pour faire toute votre aventure, même en New Game Plus. Et ce qui est génial avec cette arme, c'est qu'on peut la buffer avec du feu, avec du saignement, de la glace, de la foudre, du poison, etc. Ça, c'est ultra pratique. Alors pour le prochain build, on va s'intéresser à la lame rocheuse du dieu dragon. Alors là c'est plutôt ouf aussi comme arme, on est un petit peu sur une cendre de guerre qui va se rapprocher de celle de l'éclair de Grand Saxe. Comme son nom l'indique, forme orageuse, on va se transformer en un espèce de nuage orageux et on va s'abattre sur notre cible. Ça a une très grande portée quand vous la chargez au maximum et les dégâts sont vraiment impressionnants. Depuis le patch 1.07, vous avez en plus de ça la possibilité d'orienter un petit peu votre trajectoire pendant que vous êtes sous cette forme orageuse, et ça c'est plutôt cool. Ce qui est cool également avec cette arme, c'est que vous allez faire plus 30% de dégâts contre tous les dragons et plus 15% contre les dragons anciens. En termes de stats pour la porter et pour bien l'utiliser, on est sur les stats du départ de vidéo, car c'est une arme qui va scaler avec la lettre B sur votre dextérité une fois que vous l'aurez bien upgradé. C'est une arme de type estoc lourde, donc là aussi vous allez pouvoir utiliser un bouclier pour frapper tout en gardant, donc ça c'est plutôt pratique. Pour les talismans, on a toujours le fragment d'Alexander, le talisman de Scorpion, de Foudre, le talisman d'Épérituel, et là donc l'icône de Godfrey parce que c'est une cendre de guerre qui se charge et qui va donc vous faire aller plus loin, qui va vous faire aussi faire plus de dégâts. Et pour la fiole de salut miraculeux, pareil, on garde celle qu'on avait en début de vidéo, donc celle qui booste la foudre et la dextérité. Alors déjà dans un premier temps, comme d'habitude, on va se buffer avec tout ce qu'on a. Ensuite, vous allez voir que l'animation de la cendre de guerre est vraiment très très cool visuellement parlant, et vous allez voir que quand on va toucher l'ennemi, on va faire plusieurs petits hits avant de faire un hit global qui va faire 3411 points de dégâts, donc c'est assez énorme. On peut enchaîner ensuite avec une attaque lourde chargée qui là aussi fait beaucoup de dégâts, 1200 points, pour ensuite briser sa posture et le finir. Je vous le disais, la portée de cette cendre de guerre est assez ouf, vous voyez que là je vais donc m'abattre sur cet ennemi de très loin et lui faire quand même quasiment 3000 points de dégâts.
et 3500 quasiment en étant au corps à corps, hein. Et en plus de ça, pendant l'animation, vous avez l'hyper armor, hein. Vous n'allez donc pas être interrompu. Bref, cette arme qu'on récupère avec le souvenir de Placidus Saxe est vraiment ultra puissante. Bon allez, on va partir sur une arme beaucoup plus légère. L'épée ornementale depuis le patch 1.07 a reçu pas mal de petits buffs, donc elle est vraiment cool à jouer maintenant. Sa cendre de guerre infusion d'or peut faire énormément de dégâts, par contre faudra pas être interrompu et ça dépendra des ennemis et des boss évidemment, et des opportunités qu'on a pour la lancer en entier. Donc vraiment quand vous avez une ouverture avec cette cendre de guerre, hein, bah vous allez faire vraiment beaucoup de dégâts. Donc voilà, l'épée ornementale, c'est une seule épée droite qui devient 2 quand vous la passez à deux mains. C'est une arme qui scale très bien à plus 10 sur votre dextérité, mais vous pouvez très bien aussi l'utiliser pour un build de foi. Ici, je vais rester sur de la dex simple, hein, d'où les stats pareil à celle du début de la vidéo. On va cette fois-ci aussi utiliser une dague basique sur laquelle on va mettre la cendre de guerre, le serment doré, pour booster un petit peu nos dégâts. Vous aurez remarqué que ici j'ai un petit peu changé mon armure pour avoir plus d'équilibre, et c'est pourquoi j'ai aussi mis le talisman du mouflon. Parce que voilà, avec cette épée et sa cendre de guerre, il va falloir avoir suffisamment d'équilibre pour pas être interrompu. On va faire énormément d'attaques successives, donc on va mettre l'insigne d'épée et les putréfier. On va aussi mettre le talisman du scorpion de foudre, mais aussi le talisman de la hache, parce qu'avec cette épée, vous allez débloquer en utilisant sa cendre de guerre un coup spécial sur la gâchette de droite en chargeant votre attaque lourde. Et donc dans la fiole de salut miraculeux, on va mettre la larme fissurée épineuse, donc ça c'est pour booster les attaques successives, et la larme fissurée à pointe pour booster la puissance des attaques chargée. Alors on va donc se buffer avec tout ça. Par contre, les ennemis ici dans le chemin souterrain sont quand même très tanky, et placer la cendre de guerre en entier, c'est relativement compliqué, mais vous allez clairement voir le potentiel, hein, notamment sur des boss qui ont un grand temps de recovery. C'est pour ça qu'ici je vais un petit peu tourner autour de lui avant de trouver une ouverture pour placer donc le coup chargé en entier, et encore je vais pas réussir à le placer en entier à chaque fois. Vous voyez là, typiquement je me suis fait interrompre, hein. On est quand même monté à plus de 2600 points de dégâts, et le coup, en tout cas la cendre de guerre, n'était pas finie d'être lancée. C'est pas grave, du coup on va tester un petit peu sur les ennemis du fond. Par contre ici j'ai dû perdre un buff, en tout cas le serment doré ou flamme renforcement, même les deux je pense. Et vous voyez que là je vais réussir à lancer la cendre de guerre complète et je vais faire 3000 points de dégâts. Donc si j'avais eu encore mes buffs, eh ben, ça aurait été beaucoup plus. Surtout en regardant de plus près, vous voyez que mes deux premières attaques touchent même pas. Donc je fais 3000 points sans toucher avec mes deux premières attaques et je n'ai même pas mes buffs. Donc le potentiel est vraiment énorme avec cette arme. Donc voilà, une excellente arme pour faire un build dextérité. Vous pouvez en plus de ça, si vous êtes chaud, la récupérer dès le début du jeu en tuant le premier boss qui vous one-shot quasiment pendant le tuto. Sinon, il faudra revenir plus tard en empruntant l'un des 4 beffrois. Pour le prochain build, j'ai décidé d'utiliser l'espadon de chevalier. C'est une arme qui fonctionne vraiment bien avec un build dextérité. Ici, on va la passer donc en affinité foudre avec la cendre de guerre en taille foudroyante. Depuis le patch 1.07, cette cendre de guerre a été pas mal up, hein, sa durée dure maintenant beaucoup plus longtemps, et en plus de ça le buff de foudre a été un petit peu augmenté. En revanche, c'est une cendre de guerre qu'il faut apprendre à maîtriser. C'est pour ça que j'ai choisi un espadon pour l'utiliser, parce que voilà, il faut une arme qui a une bonne allonge, vu qu'on va abattre notre arme sur notre ennemi et ensuite il y aura un éclair en décalé. Si on peut le faire un petit peu à distance, c'est pas mal, parce que sinon au corps à corps souvent l'éclair tape à côté. Pour les stats, on est toujours sur les mêmes stats du début de la vidéo. Donc voilà, comme souvent quand vous passez en affinité foudre, hein, ça va scaler C sur la dex, hein. On va quand même arriver à dépasser les 700 points de puissance d'attaque avec cet espadon. On va également utiliser la dague avec le serment doré. Pour la partie talisman, on va garder celui d'épée rituelle, on va évidemment garder le fragment d'Alexander et le talisman du scorpion de foudre, et je vais mettre également le saut meurtri de Radagon pour booster un petit peu toutes mes stats, hein, surtout la force et la dextérité. Donc ça va encore augmenter les dégâts de la cendre et de l'arme. Dans la fiole de salut miraculeux, cette fois-ci on va mettre la larme solidifiée grise pour avoir temporairement plus d'équilibre, hein, parce que le temps de casse de la cendre de guerre est un petit peu long et faut pas être interrompu pendant ce temps-là évidemment. Mais par contre, quand tout connecte, vous allez voir que les dégâts sont assez ouf, hein. On va faire plus de 3000 points de dégâts en lançant la cendre de guerre sur cet ennemi après s'être buffé évidemment. Alors le fait de lancer cette cendre de guerre en étant un petit peu à distance de l'ennemi, bah, vous allez frapper donc avec le bout de votre lame et l'éclair va bien s'abattre
abattre sur lui. On fait quasiment 3200 points de dégâts. Par contre, si vous êtes au corps à corps, quand vous lancez votre centre de guerre, il y a un petit éclair qui stun un petit peu l'ennemi, mais souvent, le grand éclair a tendance à frapper à côté. C'est pas tout le temps non plus, mais parfois l'ennemi a tendance à avancer vers vous et l'éclair va partir dans son dos. Bref, quoi qu'il arrive, cette centre de guerre est désormais plutôt forte et marche très bien sur un build dextérité. Un build dextérité qui fonctionne toujours aussi bien, c'est l'utilisation du Qatar avec la centre de guerre résolution de chevalier royal. Avec une seule arme qui fait environ 450 points de dégâts physiques, vous allez en fait faire le double parce que vous avez donc deux Qatar, une dans chaque main. Et le buff de résolution de chevalier royal va s'appliquer en plus de ça sur les deux lames. Ce qui va grandement booster ses dégâts et on va l'optimiser pour faire plus de dégâts quand on va faire des attaques sautées, mais aussi des attaques chargées. Le Qatar, c'est une bonne arme dex qui scale bien en acéré. Ici, on va le passer en foudre. On va donc utiliser également la dague avec le serment doré pour faire des attaques sautées. On va utiliser les plumes noires de rapace. Ça va booster les dégâts des attaques sautées. Et en plus de ça, on va utiliser donc le talisman d'épée rituelle, le talisman de la griffe qui lui aussi booste les dégâts des attaques sautées, le talisman du scorpion de foudre évidemment, et le talisman de la hache pour booster les dégâts des attaques chargées. Dans la fiole de salut miraculeux, on va donc du coup mettre l'alarme fissurée à pointe qui booste elle aussi les dégâts des attaques chargées. On va donc se buffer, rappelez-vous hein, qu'on a ici une arme qui a une puissance d'attaque d'environ 450 points et avec l'attaque sautée et tous les buffs on va faire plus de 2700 points. On a presque multiplié par 7 notre puissance d'attaque juste avec résolution de chevalier royal hein, qui est vraiment très pratique pour ça. Ça se casse très vite, ça coûte pas beaucoup en PC. Et si mon Qatar était ici plus 10 hein, en deux attaques sautées, j'aurais pu venir à bout de cet ennemi. Donc voilà, les dégâts des attaques sautées, c'est une chose, mais on peut donc aussi faire des attaques chargées. Je vais vous montrer ça ici tout de suite. Plus de 3000 points de dégâts, mais ici, on a pris par surprise l'ennemi, donc ça rajoute un petit pourcentage. Bref, si vous aimez les builds rapides où on passe un petit peu notre temps à esquiver pour venir mettre un petit peu cette frappe chirurgicale, bah ce build-là est vraiment parfait. Non, non, rassurez-vous, je n'ai pas oublié les katanas. Ici, on va jouer en ambidextrie avec la main de Malenia et le Nagakiba. Les deux katanas les plus grands de tout Elden Ring en termes d'allonge. Donc voilà, c'est parfait pour de l'ambidextrie, mais on va surtout optimiser notre build pour la centre de guerre de la main de Malenia qui s'appelle la danse des ensériformes. Et donc la fameuse attaque spéciale de Malenia qui a dû vous faire faire des cauchemars hein, quand vous l'avez combattu. En termes de stats, on est donc sur les stats du début de vidéo. On va donc optimiser notre build pour les attaques successives tout en ayant beaucoup d'équilibre. Le Nagakiba, on va le passer avec une centre de guerre au pif mais en affinité foudre. Ça fait qu'on frôle les 700 points de dégâts d'attaque avec le Nagakiba et quasiment 600 et quelques avec la main de Malenia qui ici n'est que plus 9. On va donc optimiser notre build pour avoir plus d'équilibre, c'est pour ça qu'on va mettre le talisman du mouflon et l'insigne d'épée et les putréfiés pour booster les dégâts des attaques successives, hein, parce que la centre de guerre c'est clairement ça, hein, c'est un enchaînement d'attaques. Et ce talisman va donc faire grandir les dégâts au fur et à mesure qu'on enchaîne la centre de guerre. Et dans la fiole de salut miraculeux, on va à la fois booster donc les attaques successives et aussi notre équilibre. On va donc se buffer et vous allez voir que l'amorce de cette centre de guerre est quand même relativement long, donc c'est bien d'avoir un peu d'équilibre et aussi de la résistance physique, parce que donc l'ennemi va nous frapper, ça va nous priver quand même d'un petit peu de dégâts, on le prend pas par surprise, mais on va quand même dépasser les 4000 points de dégâts avec la cendre complète lancée sur lui. Donc ouais, on en chie un petit peu pour récupérer ce katana, mais il vaudra vraiment le coup en New Game Plus ou en Endgame. L'épée lance de gardien, c'est une excellente arme pour pas mal de builds et notamment pour un build dextérité en affinité foudre. On va l'utiliser ici avec la cendre de guerre éclair, hein, tout simplement. Cette épée lance qui est en fait tout simplement une hallebarde à un moveset très particulier et vraiment excellent. Et donc la cendre de guerre éclair, hein, c'est vraiment tout simple. Hein, vous balancez un éclair, c'est relativement cool parce qu'on peut le faire à distance. Ça fait quand même de bons dégâts et donc ça va scale avec le niveau de l'arme et votre dextérité. Donc c'est pourquoi on est toujours sur les stats du début de vidéo avec 70 en dex. À demain avec ces stats là, on va dépasser les 800 points d'attaque physique, hein, donc c'est vraiment conséquent. On va donc ici utiliser la dague avec le serment doré pour booster les dégâts de cet éclair. Hein. Flamme renforce-moi, ça va booster seulement les dégâts qu'on va faire avec l'épée lance, hein, pas les éclairs. Et du coup, vu qu'on est à distance, on va utiliser le talisman d'épée rituelle pour pouvoir bien spammer. On va utiliser l'emblème à filigrane de Caria, le talisman du scorpion
de foudre et évidemment le fragment d'Alexander. La fiole de salut miraculeux, c'est toujours l'arme fissurée voilée de foudre et l'arme de cristal noueuse de dextérité. Donc voilà, c'est un build vraiment safe à distance avec l'éclair. Une fois buffé, on va faire 1400 points de dégâts et en plus on peut le spammer relativement rapidement. Et sinon, au corps à corps, hein, l'épée lance gardien fait vraiment de très gros dégâts et son moveset est ultra pratique pour une hallebarde. Bref, c'est un build qui paye pas de mine, mais moi je l'aime bien. L'épée courbée de Zamor, alors là il y a vraiment du potentiel, c'est une arme qui peut être vraiment très forte pour un build dextérité mais aussi un tout petit peu de force. C'est depuis le patch 1.07 une arme ultra forte, hein. Sa centre de guerre a été up en termes de dégâts, en termes de vitesse, de montée du statut, de la congélation. Ce qui est génial c'est que vous pouvez lancer la centre de guerre et tout de suite enchaîner derrière avec une attaque forte, hein. Ça se link très bien, ça combote très rapidement. A plus 10, cette épée courbée va scaler B sur votre dextérité et C sur votre force, c'est pour ça que ici j'ai mis 30 en force. Et j'ai baissé un petit peu à 60 en dex. Pour la partie talisman, là aussi, on va garder le talisman du mouflon pour monter un petit peu notre équilibre. On va également garder celui d'épée rituelle. L'emblème de Caria en filigrane, bah pareil, hein, comme ça, ça va vraiment rien consommer en termes de PC. Et puis pour booster la centre de guerre, le fragment d'Alexander. Dans la fiole de salut miraculeux, on va cette fois-ci utiliser la perle de cristal opaline. Hein, ça marche bien quand on a le talisman d'épée rituelle, parce que comme ça, vous encaissez un coup gratuitement. Et ça désactive pas l'effet du talisman. On va donc se buffer avec tout ce qu'on a. Vous allez voir que là, je vais lancer la centre de guerre. Ça va lui faire plus de 3500 points de dégâts. Bon, lui, il tape vraiment fort. Donc, ma perle de cristal opaline va encaisser le coup. Mais ça va quand même me faire un petit peu de dégâts. Donc, avec des ennemis un petit peu moins puissants, vous allez encaisser le coup. Mais vous voyez que quoi qu'il arrive, hein, cette centre de guerre fait énormément de dégâts. En plus, quand on enchaîne avec l'attaque lourde, bah, ça fait quand même un bon pool de dégâts. Et en plus de ça, ça va très vite à caster. Et en plus, ça coûte pas beaucoup de PC, donc vraiment c'est très très fort. Probablement un de mes katanas préférés désormais, le katana vipérin, c'est vraiment une arme sous-cotée. C'est sûr que le poison c'est pas non plus très impressionnant comme effet de statut, mais ce que j'aime avec ce katana c'est son espèce de coup chargé qui fait un double slash, c'est plutôt stylé. Et sa centre de guerre n'a rien d'extraordinaire, c'est tout simplement l'enchaînement de taille. Mais tout ça mélangé avec certains objets et talismans, ça fait un très bon build dextérité. On va notamment utiliser la couronne fongique, hein, qui va augmenter nos dégâts si on fait du poison ou de la putréfaction écarlate autour de nous. Et en plus de ça, on va mettre l'exultation des adeptes de la putréfaction, ça a exactement le même effet. On a aussi le talisman d'épée rituelle, l'insigne d'épée et les putréfiés, vu que l'enchaînement de taille ce n'est que des attaques successives, le fragment d'Alexander. Dans la fiole de salut miraculeux, on va miser sur l'équilibre et les attaques successives. Avec la centre de guerre de ce katana, on va très vite appliquer le poison, ça fait pas non plus de très gros dégâts. Et vous avez tendance quand même à tuer vos ennemis plus rapidement avec votre lame qu'avec le poison. Mais bon, ça peut toujours être utile. Mais bref, avec un enchaînement de taille et tous nos buffs, on va cumuler plus de 6500 points de dégâts sur cet ennemi. Donc c'est vraiment très fort. L'attaque chargée, moi je la trouve vraiment très stylée visuellement. Elle fait de bons dégâts si en plus de ça, vous changez votre fiole de salut miraculeux pour booster les attaques chargées et que vous mettez le talisman de la hache. Là aussi, ça peut faire de bons dégâts. Bref, moi j'adore ce katana, je le trouve original. Peut-être un petit peu sous utilisé dans la plupart des builds, mais il est très puissant. Un autre katana vraiment très cool, c'est la lame en écaille de dragon, hein, ça va ressembler au build avec l'espadon et l'entaille foudroyante, sauf que ici, bah, en plus des éclairs, vous allez faire monter une jauge de congélation avec l'espèce d'éclair bleu autour de votre lame. Un katana qui scale très bien sur la dex, hein, avec le score de B, hein, sa centre de guerre, l'épée d'ogive électrifiée va vous coûter 19 en PC. Pour les talismans, vous commencez à les connaître, hein, talisman d'épée rituelle, talisman du scorpion de foudre, l'emblème de Caria à filigrane et le fragment d'Alexander. La fiole de salut miraculeux, ça sera la même que d'habitude. Donc voilà, ça fonctionne exactement pareil qu'avec l'espadon et l'entaille foudroyante, sauf qu'ici vous aurez donc un build-up de congélation qui peut arriver au bout de la deuxième centre de guerre lancée, mais bon, l'ennemi ici va mourir bien plus vite. Donc voilà, c'est une très bonne arme, mais c'est pas non plus hyper impressionnant comparé à la centre de guerre qui fait sensiblement la même chose sans la congélation. Bon allez, il est temps de terminer cette vidéo qui n'a que trop duré, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile à choisir un bon build de dextérité. Il n'y a évidemment pas tous les builds. N'hésitez pas d'ailleurs à balancer en commentaire si vous avez d'autres idées qui pourront servir à ceux qui regardent cette vidéo. En attendant, pour me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, ça m'aide énormément.
et moi je vous dis à la prochaine.